fait pas exister. Eh bien, t'as l'homme qui a entendu que Dieu n'a pas existé tout. Alors, pas étonnant, les moments arrivent. Oui. Kounya la, question que je m'a posé, c'est qui ça, monsieur, a besoin de faire un monde là? Ou bien, qui croyance vous voulez fouiller dans tête? Parce que, automatiquement, décret ça fin bail, c'est position l'Église catholique. Qui ça a fait? Message ça a passé dans toute l'Église catholique qui est dans le monde là. Comme nous connaissons. L'église qui est plus populaire dans le monde là, et tout côté le passé, yo, c'est l'église d'État, c'est l'église catholique. Eh bien, quand y a là, tout le monde ça yo, vient obligé de mettre à jour avec l'évangile ça, modérer ça qui vient gagner. C'est Bible ça nous vient gagner quand y a que yo même tout, yo gagné. Yo pas le mettre de côté pour yo faire une Bible qui appropriée avec l'évangile, yo vle ban nou. Qui parle de vérité que nous ka apprendre de yo même. Parce que si on met en question des bagages que vous avez fini, moi-même, ça fait me dire, si vous êtes catholique, ça t'a pris une bagage qui t'a fait mettre en question. Si deux ans de cela, vous avez dit un bagage qui était vrai, trois ans après, vous avez dit que ce n'est pas vrai. En quelque sorte, tout le monde qui par contre soit dit fou. Ou pas bien placé, ou pas bon même. Soit dit à pas basé. Soit dit à pas bon là, et pas placé. Soit dit à pas basé, sous un yé. Pas quelqu'un part de vérité. Comment vous voulez pour que moi-même m'aille pour quoi je de monde? Vous avez un bagage qui fait mourir. C'est que les catholiques, on compte qu'ils fait pour les protestants. Ils ne peuvent pas mettre avec femme cardinal, évêque, même les femmes femme pasteur, femme dirigée, femme a fait tout dans l'église protestante. Ils ne peuvent pas faire pour eux. Alors, pour où est chez les spectateurs? Par contre, si on va réfléchir avec ça, je dire là. Mais mettez-le en tête. Pour où est-ce qu'il a fait fille ou dirigé, prêché? Prends autorité comme texte, ça dit qu'on se fait dire, ouais, par contre, l'homme lit bien. Comme texte, ça dit en Timothée 2, le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité. Prendre l'autorité, ça veut dire dominer. Prendre l'autorité, ça veut dire dominer, contrôler. Et les filles, devant l'assemblée, c'est sous l'ordre qui est libre. Alors, imaginez. Si les protestants ont déjà fait le catholique, pas de jambes, ou les catholiques viennent faire, qu'on a vient officialiser maintenant. Mais, catholique, pas l'église, Christ, nous comme ça. Nous tous, ouais, ça sont notre preuve qui montre que c'est complètement diabolique ça. Parce que M. Sayo n'a pas obéi à la doctrine de Jésus-Christ. Et il n'a pas obéi à la doctrine diabolique du serpent ancien, de Satan le diable. Il y a là pour obéir. Oh, nous-mêmes, nous obéis déjà avec doctrine diabolique. Ça, c'est que nous mettons femmes dirigées, prêcher, faire ça, et vous voulez. Alors qu'on est là, catholique romaine, maintenant, vient officialiser maintenant. Désormais, filles avec garçons, ils sont égales. Dans tout. Enfin, sur le plan fonctionnel, s'il vous plaît. Parce que sur le plan salutaire, comme lui dit dans Galates 3, le verset 28, il dit il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni riche, ni pauvre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Sur le plan salutaire, mais ce n'est pas sur le plan fonctionnel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par des femmes, n'ont joué même rôle avec hommes au sein de l'église. Là. Parce que femmes sont être faites guerrières. Voilà pourquoi il dit, garçon, on doit vraiment porter aide par les filles, parce qu'il est faible. Alors, la raison pour laquelle je suis téléspectateur, il n'y a pas qu'à jouer même rôle avec garçon, il n'y a pas qu'à prendre autorité, et c'est la parole. Est-ce qu'on va obéir avec ou pas obéir avec? Il y a des protestants violés avant catholiques. Catholiques, pas de quoi faire, non, parce que pas de quoi faire une femme cardinale, pas de quoi faire une femme évêque, hein? Pas de quoi faire une femme pape. Malheureusement, ça ne va pas d'en arriver pour une femme pape. Hein? Et puis là, ça va déjà venir. Mais il y a une possibilité. Mais il y a une possibilité pour une femme pape. Alors qu'on a au même temps dans l'église d'étirer puis au qui nous c'est la Bible qui dit Jésus qui était mort pour femme qui était mort pour garçon. Alors ben je suis là maintenant pour réfléchir bien, réfléchir maintenant parce que j'ai l'impression que on pas réfléchir. Frère Patrick, nous sommes qui remet bail référence pour que n'importe monde qui veut qui est intéressé capable monter sur Google taper Global Relay Network. Il écrit G L O B A L. Parlez un peu plus fort pour entendre. Global Relay Network. Il écrit G L O B A L R E L A Y et puis network écrit N E T W O R K et okay, puis ou après global relay network. OK, alors c'est ça qui référence pour jeune et article ça article que ça que pape là écrit pas oublier chaque yo venir qu'on parle pas oublier m'te dou et nous prenons un petit bagage pour la vite faire frère pour téléspectateurs surtout.
et n'a tout partagé ça parce qu'elle a lien avec ça pour nous comme sous ta bon on analyse tout. Vas-y, n'a tout. Ça comme d'a dit. Comme nous ouais, nous tout capable constater que l'église catholique a une forte influence sur le monde, sur le monde, sur le gouvernement. Et en plus, amen. Sous l'église protestantisme. Amen, ben c'est petite file. Normal. Est-ce que actuellement, ou pas venir joindre une innovation au niveau de l'église protestantisme qui pourrait mettre à jour? Parce que au capable, la plupart des fêtes, fêtées, catholiques fêtées, donc ils connaissent pas la biblique, malgré ça, ils font. Est-ce que, normal, est-ce que qu'on y a là, mon ça, papa, il subit une influence, puisque y a déjà dans le système, dans un ensemble de bagages qui sont bons pour eux. Que catholique vienne bah l'opportunité pour que valoriser pour y faire et bien on dit bon m'entraîne net certainement on a là c'est là où on va arriver dans cadre aussi frère carré pour les monde qui a suivi Christ et monde qui pas suivi Christ on a imposteur là pour parler en tant que imposteur pour tout le monde qui est imposteur parce que toute ça pour le faire pas gain aucun lien avec la Bible qu'on aurait normalement clairement pour l'église catholique par l'église de Jésus-Christ sur l'église diabolique qu'elle est parce qu'elle renie complètement la parole de Dieu. Or, on a le protestantisme qui dit qu'il est petite fille catholique, woman, à 100%. Les évangéliques, les protestantistes, parce qu'on a obligé de chercher by tête ou l'autre, non. Vous comprenez? Pour y sortir, mais ce n'est pas by tête ou l'autre, non, non. C'est retourner au fondement des apôtres. Donner des noms, des dominations, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de retourner au fondement des apôtres. C'est de retourner à la racine de la parole. C'est de retourner aux actes des apôtres. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a demandé. Et c'est ça qu'on a prêché. Alors c'est ça qu'on a besoin de faire. Juste avant. C'est que, maintenant, 2 Timothée. 2 Timothée, oui. Chapitre 3. M'a dit dernier verset, deux derniers versets, qui c'est verset 16 à 17. Alors, Frère Kéry dit non pour aller dans 2 Timothée 3. Oui, frère Kéry, 2 Timothée 3, verset 16 à 17. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Que... On même lit pour vous, non? Bon, souffle, frère Patrick. Ok, 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Le verset 16, ça le dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Ah, vous, frère Kéry. Eh bien, Mekounia, l'Église catholique vient du que... L'écriture n'est pas inspirée de Dieu et n'a pas d'importance encore. Parce que si moi crois dans l'écriture qui est inspirée de Dieu, yo vini, yo dit que l'enfer n'existe pas et il y a des preuves bibliques qui prouvent. Yo parle, yo dit que Adam et Ève c'est une fable. Or, il y a écrit noir sur blanc dans la Bible que Adam et Ève réel. Eh bien, verset ça n'est pas applicable pour yo. Non. En quelque sorte, yo renié foyo. Exact. Yo pas gen croyance. Est-ce que yo ka croire en Dieu? Si yo croire en Dieu, eh bien, yo pas besoin utiliser la Bible parce que yo pas croire dans la Bible. Non. Et c'est seulement la Bible que le Seigneur prend nous comme boussole pour nous suivre. Et ça fait à l'homme te dit que gan pile moun ki pa ka gade yo nan miroir là parce que yo contraire avec miroir là. Et ça fait l'en rencontre avec eux, tout n'a pas l'avec nous, pas manquer de dire vérité. Parce que l'en dit aux non-mensonges, ils ont menti, ils ont dit, c'est nous avec eux, bien nous insulter, nous pas insulter personne, monde. Pas du tout. Ou non mensonge, ou non erreur, parce que ça va faire pas biblique. Et qui ça le dit? Qui ça le dit? Avant que me lise ça, nous pas regarder un texte vite fait, dans Apocalypse 21. Ça le dit, pour qui est-ce le temps de faire des souffles à préparer? Pour qui est-ce qu'il prépare? Parce que c'est ça nous besoin d'épargner au délit, faire nous de vérité. Là, nous devons pas mentir. Et ça, on dit que c'est mensonge, il n'y a pas écrivé. Ah, ben, c'est pas faute. Nous devons vérité, peu importe où nous vous fâchez. Hein? On nous dit, frère Patrick, des démons. C'est pas un problème, ça. Parce que ça pour tout prouver qu'il n'y a pas mon Christ. C'est clair. Parce que ça, on dit Jésus-Christ, il y a un démon sur lui. Mais est-ce que Jésus-Christ est un bagage qui prouve qu'il y a un démon? Pendant ce temps, c'est le Père t'a honoré. Alors, le verset 8, Apocalypse 21. Qui ça le dit? Alors, lis à partir de verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et tu seras mon fils. Mais pour les lâches, ne qui campent pas parce que connaissance de la parole de Dieu, qui pas qu'à même dire vérité à Jean, qui pas qu'à défendre Christ. Parce que nous remet Christ, mais Christ, c'est les vérités. C'est ça le dit, oui. Christ. C'est les vérités. L'homme est demandé, qu'est-ce que la vérité? Il paraît qu'on est autre, c'est parce qu'elle connaît répondre à autre, ça ne peut pas servir à rien. Parce que qu'est-ce que la vérité? Celui qui a de la vérité m'écoute. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la vérité. Alors qui ça dit? Mais pour les lâches,
Nèg ki kanpe propose que yo c'est moun Christ, k'ap marche à Christ, pourtant c'est hypocrite que yo pa ka défendre Christ, yo pa ka kanpe bay position yo parce que yo peuple yo pa chouté yo. Hein? Pour les lâches, les incrédules, moun ki tant de vérité ak wèl, ki konn se vérité liye, mais k'ap tire pied par les sou met avèl. Les abominables, moun ki a pa pi homosexualité, a pi fait d'honorer la pi, on paquet vie vie et bagaille vie bible vie ceci qui gon vie bois d'honorer l'on pied d'honorer la caillou. Cap honorer, cap adorer, hein, les abominables, les meurtriers, mon cap tuer mon yo, que ça s'en fait, soit par coup de poudre. Parce que, on connaît conseil dernier coup, la même, là, devant l'église, y'en a un gant, hein, y'en a un gant, si gon moun qui a bâillé un problème dans l'assemblée rapide, là, y'en détruit, rapidement, hein, pour les épudiques, hein. Les épudiques, on sait mesdames qui a pas bien tout tourné, on sait des messieurs qui parlaient qui était madame mon repos, hein, c'est pour yo, pour les enchanteurs, on sait des monde qui a fait pause yo monter yo, pourtant yo pas honoré le Dieu, yo pas soumettre avec la parole, ou yo pas obéi avec Dieu, yo juste ça fait semblant mais pourtant c'est pas réalité, hein, pour les idolâtres. Les idolâtres et idolâtrie sont cupidité qui est liée aussi. La cupidité est une idolâtrie. L'idolâtrie est une cupidité. Alors, cupidité, c'est le monde qui remet l'argent, qui a pillé le monde. Hein? Idolâtrie, c'est le monde qui a l'argent et okay? On a le vient d'assemblée, même l'entrée dans l'église catholique romaine, dans le bâtiment, il y a réuni. Hein? C'est protestant catholique, pas même pas une différence, frère Kéry. L'entrée dans le mitan, qui sont ouais dans le mien. Hein? L'entrée dans l'église catholique, chers téléspectateurs, sont ouais. Hein? Ouais, image. Ouais, image. Oui, l'autre dans l'église protestante, qui sont ouais? Ouais, dessin, ouais, pied bois, ouais, sous l'eau, ouais, petit mouton, ouais, croix, ouais, toutes sortes de choses, mais qui différence qui gagne? Hein? Texte a dit pour les idolâtres et tous les menteurs. Alors, ce monde dit, frère, pas de menteurs, de pour dire, de pour faire un bagage qui parle, de pour dire, c'est menteur, oui. Menteur, oui. Jésus qui dit dans Jean 8 là, Jean 8, le verset 54 jusqu'à la fin. Il dit nous-mêmes, nous dit nous c'est mon bon Dieu, que nous remet bon Dieu, mais pourtant c'est menti, parce que nous pas fait ça demander. Et si nous t'a dit m'pas con bon Dieu, nous t'a menteur même j'avais nous-mêmes c'est menteur nous. Il dit moi-même moi con mon Dieu, parce que me fait ça demander. Les chercheurs de monde qui dit au con Christ, mais qui pas fait ça Christ demander. Ce sont des menteurs que yo yé, hein? Même le t'a traité nous gagne des mensonges, c'est pas grave, mais ce sont des menteurs que yoyé, et c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas dit là nous qu'a prouver, mais ça n'a pas dit yo pas qu'a prouver yo même. Yo parler dans bouche yo, mais yo pas qu'a prouver rien à travers la Bible parce que yo pas soumettre à la Bible, hein? Qui ça le dit? Le pas sera dans le temps avant de feu et de soufre. Qui est la seconde mort? Pabli le temps ardent de faire comme pape la fait Dieu là que Dieu patap kala gen moun nan bagay ça Dieu tort Dieu d'amour yo pral konnen au dernier jour. Ça qu'elle dit la voye nous loin de la face de Dieu. Loin. Dans le temps ardent de feu et de souffle. Loin de Dieu. Hein? Alors moun qui parle dans le temps ardent de feu c'est les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Tout parlant étant à date de fait, nous juste aidons à retirer corps dans le système ça. Faites nos relations idolâtrie totale qu'elle est. Alors, gon dernier bagaille n'a pas li, nous pas le fini, gon dernier bagaille n'a pas li avant de faire Kéry. Mais ça le dit, écoutez bien, chers téléspectateurs, avec en pile attention, mais ça le dit. Il n'est donc plus difficile de comprendre ici d'où provient la tolérance. La tolérance, d'où provient la tolérance et même l'encouragement aux drogues, à la prostitution, hein, à l'homosexualité, aux maladies sexuelles, à la contraception et à l'avortement et à consommer du tabac et de l'alcool pour nommer que ces formes de destruction personnelle qui compose notre monde actuel. Et monde actuel, nous, c'est à ça qu'il compose. Mais il samedi, là, 10 millions de catholiques, comment pas pour ce qu'on fait. Homosexualité, la pire, 100%. Hein? La pire, 100%. Corruption, pédophile, toutes sortes de choses. Hein? C'est comme ça que le monde actuel l'a composé. Et il dit, beaucoup n'ont pas réalisé que toutes les organisations avec des aspirations internationales ont été organisés, financés, dirigés et contrôlés par les Illuminati ou bien plus précisément les gens du Nouvel Ordre Mondial. Hein? Les Illuminati. Depuis 1786,
Confession d'un évêque, général Bouffard, l'ancien évêque du Guatemala, déclare que les jésuites, hein, les jésuites contrôlent le Vatican, hein, contrôlent le Vatican et sont les véritables contrôleurs, hein, spirituels du nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Alors, on en a fait un sujet sur le nouvel ordre mondial. Je suppose qu'on connaît ça que le nouvel ordre mondial. Du nouvel ordre mondial. Hein? Du nouvel ordre mondial. Et dit l'évêque Gérard Bouchard dit que le général des jésuites donne des ordres au pape. Pas oublier, pape François, c'est un jésuite. Et il te dit dans la nouvelle. Il y a d'où son jésuite qui est lié. Alors, mettez bien tendu, ça m'a dit où là. Hein? Les jésuites donnent des ordres au pape. Ils approuvent aussi les accusations faites par le défunt. Ils approuvent les accusations faites par le défunt, le prêtre qui témoignait, qui confessait et témoignait ça. Il y a le frère Albert Rivera, qui c'est prêtre ça, défunt ça que tu as parlé, hein, au sujet du nouvel ordre mondial diabolique des jésuites. Qui est le pape Jean-François, qui est un jésuite. N'oubliez pas, un nouvel ordre mondial diabolique, parce qu'on a commencé à régner Dieu, et là, elle prend position, elle lave les pieds, ne font pas qu'être bagaille, pour qu'il puisse être perdu juste pour le cap bafouer, mais c'est complètement diabolique. Il a déclaré que le Vatican est le véritable contrôleur spirituel, hein, des Illuminati, hein, des Illuminati et du nouvel ordre mondial. Et Liba a déclaré ça le 25 septembre 2006. Alors, pour comprendre que nous avons Jésus qui a dirigé nous, ce n'est pas étonnant. Et si Frère Kerikoun Alvin dit que Adam et Ève sont fables qui sont liés, hein? Adam et Ève est un fable, ce n'est pas réel, l'enfer n'existe pas. Alors, si l'enfer n'existe pas, comme un sœur avait dit, une sœur avait dit, c'est que le purgatoire n'existe pas non plus. Parce que il y a un purgatoire pour éviter l'enfer. Alors, qu'on est là, qu'est-ce qui se passe avec le purgatoire? Existe encore purgatoire? Est-ce que purgatoire existe toujours? Alors c'est ça, question, ça me donne un peu là pour me questionner sur ça, pour te répondre. Moi. Mais normalement, pour quelqu'un un nouveau catholique, ou bien un nouveau catholicisme, qui pourrait intégrer ou bien qui pourrait moderniser comparativement avec l'évolution du monde. Là. Parce que c'est ça que l'idéologie a fait. Donc, on pense que quand il y a un peu de fait actuellement, avec nouveauté ça quand dans l'église catholique qui prend le météo de côté juste pour mettre au jour parce que Dieu que vérité ya li ka vérité je dis demain si Dieu veut li ka mensonge encore et eh bien normalement yo a essayé mettre au jour pour que yo contrôle le monde là pour que yo gagne monde là dans main et pour yo capable faire le monde là ça yo vle ya. Amen. Pour faire monde là ça yo vle ya. Alors chers téléspectateurs, juste avant que nous finissions, nous gagne Jérémie en noté bon là nous pas li pour nous terminer les nous river. Faut nous aller dans service, nous parlons dans réunion nous et alors faut nous aller mais n'appli Jérémie 10 ça que nous te bon là sur pour garder principe Abdenorel ça yo et puis qu'on nous capable finir chez téléspectateurs que nous remet en pile dans le Seigneur Jésus-Christ. On a pas d'ouvrir Bible avec nous dans Jérémie 10 à partir de verset 1er et jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12 nous pas lire et puis nous après qui ça la parole de Dieu dit. Mais ça le dit. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ou bien l'Église de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Hein? Les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Sous gardez Abdenorel là bon côté non après yo embellit comme ça chers téléspectateurs ou bien moun ki gen la kayo après li hein, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ah, c'est souvent tel campé là se tomber chers téléspectateurs, dit vous allez oui font bon pied vous mettez le campé yo clouer le ranger ça. Hein, pour comment Dieu Tout-Puissant, lui omniscient, lui connaît tout ça qui a venu, tout ça qui a fait, tout ça, tout bagaille, avant, après, futur, présent, passé, tout. Non, mais. Hein? Le verset 5. Alors, qu'on a là, c'est
Abdenon, là, il va traiter Jean de Barès, ça va traiter en tant que Dieu. Oui, chante, c'est au dit, c'est bon Dieu lié. On a dit, on a dit, on bon. Puis ça, après sa clarification, Dieu lié. Il a pour une heure, vite fait. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est Dieu, le verset 5, Jérémie 10. Ces dieux sont comme une colonne massive. Et ils ne parlent point. Ah, si je ne parle pas, il ne pas répondre, parce qu'il n'est pas bon. Il n'est pas des yeux, il n'est pas bouche, rien du tout. On les porte. Parti de moi, descendre là, sous garde, sous deux voitures, mon va prendre un paquet de Dieu à poter, puis à l'embellir, puis à le décorer avec l'or et l'argent. Hein? Parce qu'ils ne peuvent marcher. Ils sont obligés de poter parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Chers téléspectateurs, le verset 6. Nul n'est semblable à toi. Ô éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Qui ne te craindrait, roi des nations? Merci Seigneur pour parole ça. C'est à toi que la crainte est due, notre Seigneur Jésus-Christ. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tous ensemble, ils sont stupides. Et insensé. Alors, c'est pas Frère Patrick qui dit ça, non? C'est Bible là qui dit lui. Hein? C'est Bible là qui dit lui. C'est pas Frère Patrick. La science n'est que vanité. C'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du faz de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. En œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe. Tête en bleu et en pourpre. Tout sont l'ouvrage d'habits artisans. Mes amis, pourpre. Et là, ça, vous savez, c'est toujours. Mais regardez, bon, franchement, regardez, puis ça vient là. Pour moi, bleu, moi, rouge, moi, pourpre. Hein? Donc, gros toile, soit ça, qui kembe, fraîcheur ça. Mais franchement, la Bible tellement vraie. Waouh! La Bible tellement vraie, regardez ça. Hein? En bleu, en pourpre. En pourpre. Oh, chers téléspectateurs. Pour qui ça ne va pas accepter Christ et marcher avec elle? Comment payer? Ça ne va pas coûter cher. Alors, le verset 10 lui dit, mais l'Éternel est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. En vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Pour verset 11, vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et des dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Mais il faut Dieu qui a créé la terre à tout périt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute idolâtrie périt au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chers téléspectateurs. Bye gloire avec Dieu créé ciel, avec terre. Jésus-Christ de Nazareth. Bye gloire à elle. C'est lui qui fait toute bagaille ça. Bye gloire, parce que c'est celle-là-même qui est Dieu. Pas gain deux, pas gain trois. C'est celle-là-même qui est Dieu dans tout siècle qui a venu immortel, invisible. Oh, c'est Dieu tout-puissant, frère Kerry. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frère Patrick. Heureusement, nous avons la Bible pour défendre nous. Nous avons la Bible comme boussole nous et nous avons la Bible tout pour nous dire à tout ça qui n'est pas bon, pour nous dire non à tout ça qui n'est pas bon et toute pratique que nous avons fait qui n'est pas biblique pour que nous disions non. Parce que Jean Pile Mounab dit que c'est Antichrist. Nous l'église Antichrist que nous avons. Ouais. Mais malheureusement pour eux, il n'y a pas qu'à prouver. Parce que tout ça nous dit, il est sorti de la Bible. Après, comme c'est presque, c'est pratiquement la fin parce que l'heure a allé. Oui, on met tout fait salutation. Excusez-nous aussi auprès de téléspectateurs parce que bien peut-être qu'il y a plein de gens qui avaient serré, mais téléphone n'a pas marché. Nous excusez-nous auprès de eux. Et après, moi, j'ai eu un message que je voulais faire passer. À part de plusieurs fois, moi, participer dans l'émission, ça, il y a pas mal d'émissions. Il y a pas mal de monde qui soit pas d'accord avec le point de vue, qui, ou du moins, il y a un problème avec samedi. Moi, je dis à tout le monde, si vous avez un bagage à reprocher, fais-le à Kerry.
pour joindre avant pour parler pas vrai message pas vrai message ni puis joindre un monde qui soit un membre dans famille pour que ou choisi soit critiquer ou bien dire des bagailles qui lié à Kerry si vous besoin pas la Kerry joignez moi n'a parlé n'a discuté avec toute franchise et avec toute humilité n'a parlé selon la Bible bon faut faire attention pour pas tout gonder mon sur bah vous commencez à mettre l'évangile sur il y a très tout gonder moi pas aucun problème parce que Jésus-Christ qui c'est Jésus-Christ il te dit ça donc ça pas créer problème c'est ça m'a dit j'aime dire avec toute sagesse moi que mon yo chercher moi au lieu que jeune des monde qui gain lien parenté avec que yo a fait des reproches ou bien yo a fait des analyses pour dire ça qu'il dit pas bon ou pas parce que c'est moi même qui prend position c'est moi même qui monte sur plateau Amen. Et c'est moi même qui parler donc tout ça qui gain arrêt ouais à des reproches fait la qu'il pas fait avec l'autre monde en fait c'était un grand plaisir pour que moi te partager plateau avec frère Patrick et pour que nous analyser ensemble quelques paroles donc nous t'es passé de arbre de Noël ou ben Père Noël question de mythariser Père Noël pour arriver à aboutir avec déclaration que ou ben article qui parlait de déclaration pape l'a fait 31 décembre là pour commencer année à qui c'est 1er janvier nous t'es parlé de ça on pensait que c'était vraiment bien et nous dit Seigneur Jésus merci pour ça du fait que lui non seulement mettait intelligence en nous-mêmes et lui mettait compréhension lui nous lit tout dans nous-mêmes pour que nous soyons capables de comprendre et partager parole ça avec des monde qui c'est des monde qui croient dans l'évangile des monde qui croient dans ça qui écrit et des monde tout qui très veillatif qui regarder dans miroir là des monde qui très veillatif avec l'évangile ça gagne dans miroir côté que yo dit bon voilà nous pas prendre n'importe quoi nous pas prendre des bagages qui pas bibliques ou des bagages qui pas écrits et yo pas quitter des monde tout jouer avec croyance yo moi vraiment féliciter nous et moi encourager nous rester dans bien Seigneur pour que lui fait route avec nous que bon Dieu bénisse nous dans le nom de Jésus. OK merci frère Kerry. Chers téléspectateurs nous saluons frère Nelio en passant. Frère Nelio nous saluons dans le nom de Jésus-Christ nous saluons tout l'autre monde qui nous pas saluer que bon Dieu bénisse nous. Chers téléspectateurs nous trouvons c'est un réel plaisir pour nous que le Seigneur te bonne opportunité pour nous être là avec vous pour nous te partager en résumé sous nos oreilles et puis pour nous te terminer comme frère Kerry se dit avec une déclaration pape là. Et n'a dit aussi quelque soit monde sous bon l'évangile vraiment qui vérité faut ou pas capable partager ni présenter devant n'importe monde pour dire s'il vrai et sous bon ou dit vérité ou dit le coton parce que Jésus-Christ pas présenter devant n'importe monde non Paul présenter devant Agrippa devant Festus devant tout pour témoigner la vérité qui est Christ alors nous même nous pas perdre pour devant personne parce que n'a dit vérité nous regarder dans miroir il y a monde qui pas regarder dans miroir là parce que c'est mensonge à penser on nous dit que bon Dieu bénit nous vraiment dans le Seigneur nous remercions aussi parce que nous remercions. Ça tout nous remercions vraiment aussi dans le nom de Jésus-Christ. Bon, pour monde qui coupe mes yeux, c'est pas problème. C'est pas grave. Mais nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il est puissant, par la vie. Alors restez là dedans, pas relâcher ou donc bagarre et on remercie mon ça. Ah oui, on remercie mon ça aussi, hein. On remercie aussi pour nous dépouiller nous Jésus-Christ à la porte. Faut nous dépouiller nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde nous et nous remercions donc amour d'un amour chaud dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonne semaine et bon courage. Bye bye. Seigneur, que mon corps, que mon âme t'appartiennent. Entre tes mains, j'abandonne tous ceux qui sont miens. Dans tes bras, là, je suis Seigneur.